C'est pas le sujet, Caroline. Si, c'est non, le sujet, c'est qu'il est jugé pour rébellion. Vous imaginez. Je fais, je donne la parole. Je donne la parole. Vous imaginez. C'est bon, quoi. Deux minutes, allez. C'est deux poids, deux mesures. Ce que je voulais. On a terminé, on a tout. C'est vrai, on est épuisé. C'est le quotidien du parti. Non, mais c'est insupportable, Caroline Mécari. Franchement, je vous le dis gentiment. Pourquoi moi ? Caroline Mécari, au coin. Bon, je vais vous dire. Je regrette. Franchement, je trouve que quand on s'énerve, on a toujours tort. Moi, le premier. Caroline Mécari, s'il vous plaît. Donc vraiment, je regrette de m'énerver, mais... Caroline Mécari, mais c'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Camomille. Mais c'est juste insupportable. Camomille. Arrêtez. Camomille. Camomille. Enfin, non, mais vous, moi, je peux plus animer une émission de télévision. Camomille. Annulez le café. Je vous donne vraiment l'avis d'un téléspectateur, l'émission devient gênante et même insupportable avec ce brouhaha. Camomille. Je vous assure que c'est vrai, tous les thèmes sérieux que vous traitez sont dévalorisés et l'image de ses invités qui vous y faire s'en trouve dégradée. Ça va. C'est insupportable votre attitude sur les plateaux de télévision. Une camomille. On peut pas s'écouter, on peut pas faire un débat serein. Dès que vous êtes là, on peut pas faire un débat serein. Regardez-vous. Alors faut plus venir. Mais enfin, ça va pas. Je vous en prie, je vous assure, il y a des gens qui pensent que je m'énerve et que mais je vais avoir un petit... vous énervez pas. Camomille que je vais avoir... Mais non, vous mais soyez... Pour tout le monde, pour tout c'est le plateau. C'est pas tout de suite. Mais c'est fini, là. C'est fini, oui.